Le 11 mars 2011, un puissant séisme suivi d'un tsunami ravage la centrale de Fukushima Daiichi. Depuis, elle est arrosée en permanence pour éviter de nouveaux rejets radioactifs. Mais que devient toute cette eau ? Dans les réacteurs 1, 2 et 3, les équipes de l'opérateur TEPCO injectent quotidiennement 350 mètres cubes d'eau, la quantité nécessaire pour maintenir leur température en dessous de 50 degrés. Le problème, c'est que les structures de la centrale sont fissurées. L'eau déversée s'infiltre en permanence dans les sous-sols. Résultat, il y aurait aujourd'hui sous terre près de 90 000 tonnes d'eau contaminée. Pour enrayer cette propagation, les ouvriers sur place pompent dans les sous-sols 750 mètres cubes chaque jour. Une partie de cette eau est traitée, puis réintroduite dans le circuit de refroidissement. Reste 400 mètres cubes inutilisés, direction la zone de stockage. Dans cet immense parc, où se côtoient plus d'un millier de réservoirs, 340 000 tonnes d'eau polluée se sont accumulées depuis la catastrophe. Cela équivaut à plus de 100 piscines olympiques. Et l'affluence est telle qu'il faut construire un réservoir toutes les 60 heures. L'ennui, c'est qu'à un tel rythme, les finitions laissent à désirer et certains réservoirs, à leur tour, se mettent à fuir. Une menace directe pour les 3000 ouvriers présents sur le site. L'océan, lui aussi, est exposé. Tous les jours, 300 mètres cubes des eaux souterraines polluées s'écoulent dans la mer. L'équivalent d'une piscine tous les 10 jours. Pour le moment, la menace radioactive reste encore localisée et les conséquences à long terme sont toujours inconnues. Mais si rien ne change dans le processus de refroidissement des réacteurs, la quantité d'eau à stocker et celle des eaux rejetées dans le Pacifique pourraient doubler d'ici la fin 2015. Depuis le début de cette vidéo, 500 litres d'eau contaminée se sont échappés de Fukushima.